c'est super. Dans partie de ça, nous voyons l'autre stratégie qu'on a utilisé pour augmenter le nombre de followers, d'accord? Il y a une autre stratégie qui est importante aussi, c'est le nombre de fois qu'on publie sur le compte Instagram. Donc, il y a un qui, par exemple, qui conseille pour publier une fois par semaine ou bien une fois tous les 3 jours, tous les 4 jours. Moi, en tout cas, dans la recherche que moi fais, il est très important qu'on publie plusieurs fois par jour. Minimum 2 fois par jour. Il faut faire attention à dans qui leur quoi publier aussi. Ou alors, par exemple, dans le compte Instagram, leur tourner contre un compte business, il y a des stratégies pour qu'ils montrent, par exemple, qui le monde a sur vous online, qui les par exemple ont interagi et les sont dans qui leur pour publier. Ok, donc publier entre 2, 5 à 7 fois par jour, ça dépend de où, quel type de contenu qu'on gagne. Parce que des fois, si c'est vidéo, il ne faut pas publier par exemple 2 vidéos, même par jour, pas qu'à publier 2 vidéos par jour. Mais vidéos sont le format qui demande un peu de travail, on doit publier en vidéo même toutes les semaines, c'est pas un problème. Mais si n'a pas par exemple de images et de photos, donc publier par exemple 2 photos par jour, c'est minimum. Ok, c'est minimum. Et le dernier minimum, ce serait une fois par jour. Au moins publier une fois par jour si vraiment travaille avec compte Instagram ou pour faire business. Ok, le bail comme c'est qui a augmenté en publier plusieurs fois par jour a augmenté followers dans quel sens? Parce que mon cap suivre au bras ou à publier en pile contenu. Et bien des fois, il va tag Zamio et nous allons parler de tag là. Et bien, il va tag Zamio, il va parler de où, il va aller au tag, par exemple, mon cap suivre au bras ou qui ça y dit. Et laisse à mon cap nous moins contre tout. Et après qu'il soit publié sur compte, il a décidé de suivre. Ok? Donc, c'est dans le concept que tu as augmenté le nombre de followers aussi. Et qui a encore augmenté le nombre de followers, il a fait en sorte qu'on ne pas perdre du followers par exemple. Si vous n'avez pas entendu parler de vous pendant une semaine ou pendant 2 semaines, et c'est chaque 3 semaines, chaque mois, vous entendez parler de vous n'avez pas intérêt pour la suivre. Mais si vous n'avez pas besoin de publier tous les jours, parler d'un sujet bien précis, bien qu'il y ait plus de chance pour arrêter de suivre vous et parler de vous, faire en sorte que vous ne suivez lui-même, ou de qui ça va parler, et à ce moment-là, vous avez décidé de parler à le sous-compte et à suivre. Donc, ou bien, par exemple, tag Zami ou, par exemple, tag l'autre influenceur pareil ou bien l'autre, pas tellement même bon influenceur, mais l'autre, par exemple, Instagram pareil ou par exemple, vous doit tag yo, vous doit tag interest. Tag interest, il y a plusieurs branches là-dedans. Par exemple, j'aime dire, l'autre tag, on moun kap suivre moun nan, si moun nan répond à tag là, moun kap suivre moun nan apoué. Alors, même les gens ne pas suivre, mais les gens qui suivent les gens après les gens par exemple tagué ou parler, par exemple commenter son bagage, et bien nous avons décidé à l'ouest pour qui ça, tel monde tag lui. Par exemple, très simple. Par exemple, je fais une publication et je tagué par exemple LeBron James, tagué Michael Jordan, ou je tagué par exemple 2-3 autres athlètes. Et bien, tag, le fait que je tagué, il fait me gagner à peu près 70 followers dans le jour. 70 followers dans un jour. C'est pas beaucoup, mais non, grand jour, il fait par exemple moins bien 70 followers. Parce que mon yobin, pour qui ça m'tague mon ça. Et les gens, par exemple, type de publication, t'es fait avant, pile mon qui like publication et qui décide de suivre. Est-ce que ça me donne? Donc, l'important, par exemple, à le taguer, c'est mon taguer, tu es censé là, par exemple, le monde est ensemble avant. Le monde est une grosse célébrité qui a des millions de monde qui suivent. Donc, le taguer, il y a des monde qui suivent, par exemple, qui doit arriver sous contrôle, il va pas être parlé quoi, il va pas être bien, il va être bien. Mais on a ici, par exemple, qui suivent le monde, qui arrive sous contrôle, qui n'a pas l'école, mais qui n'a pas les français, ou qui n'a pas l'anglais, s'il comprend l'anglais, et bien, nous va décider de suivre. Alors, par exemple, on doit taguer Port-au-Prince, par exemple. Ou mon tagué Haïti par exemple, ou tagué des gros intérêts, ou ça me donne qui fait que mon cap suivre genre d'intérêt ça yo, ou a tombé sous publication ou an, et a décidé de suivre si par exemple contenu, encore une fois contenu quoi publié a un rapport à passion yo, ou bien à intérêt yo, ok? Pour un autre, je vais mettre en anglais, mais signifie par exemple, l'op by idée ou bien l'op by pensée ou l'op by, l'op dit qui soit pensé sur un produit. Par exemple, si dit c'est le fait de sortir mon produit, il dit par exemple, on est. Soumettez 25 gouttes, ma bosse 50%. Elle dit soit soumettez par exemple 50 gouttes 4 et puis ma doublé par exemple 50 gouttes 4 ou abonné 100 gouttes 4 pour capable. Et comment on prend Instagram par exemple, si ouais, on va parler de base, on prend Instagram et qu'on dit que ben est-ce que nous avons dit c'est fait faire un mail ou même par email, passer ici, passer là, passer l'autre bord. Vous avez un et qu'on parle de lui, bien pile monde risquer ou sortir
Et si vous trouvez que ce dit bon, et bien, vous décidez de suivre. C'est ça que je parce que vous avez tagué le digiciel, parce que vous avez fait le baril, vous avez utilisé toutes les méthodes que vous avez. Vous avez tagué, vous avez mis des hashtags pour faire un pile, pour faire public en web qui soit parlé. Et tout le monde qui va tomber sur vidéo, et bien, risquez par exemple suivre. Par exemple, vous achetez un monde. Ou acheter un monde et vous pouvez m'expliquer par exemple pour aimer mon plan, pour qu'il soit aimé, pour qu'il s'avance. Nous, comment ça me dit, nous avons idée, nous sommes produits qui ont fait que nous augmentons le nombre de followers. Et nous allons rejoindre même ça, j'ai dit ça, dans le business là aussi, mais nous allons nous comment nous avons fait. Okay? Donc, live, l'offre pile live, il fait monde suivre. Par exemple, nous avons besoin de qui ça va parler. Surtout l'offre live, vous mettez des vrais sujets qui intéressent les gens, par exemple, et bien on doit augmenter le nombre de followers avec la vidéo parce que vous allez mettre des hashtags, vous allez taguer des gens, vous allez taguer des lieux, vous allez faire que l'autre monde qui pourquoi suivre, vous allez tomber sur publication ça, et à ce moment-là, il a décidé de suivre, ok? Ou bien vous faites ça des shout-outs, c'est-à-dire, shout-outs, par exemple, c'est leur parler d'un barème en bien, par exemple. Par exemple, Baki fait ça en vidéo, ben Trouble Boy fait ça, Trouble Boy. Chabou Boy fait sortir son vidéo, bien par on est et Créole là fait sortir son vidéo, ben fait sortir son musique et quoi écrit par exemple, yo moi mes dernières musiques en Créole là faire ou taguer Créole là ou hashtag titre musique là et mes amis fait que en pile monde cap suivre musique là aussi risquer tomber sur publication là et faire en sorte que monde suive. Son exemple moins bon. Non, son exemple moins bon, mais ça va dépendre de qui sujet par exemple va traiter sur contour, OK? Donc partager par exemple un bagage qui a à voir avec followers. Si par exemple on va parler en followers ou parler en conseil, on doit dire followers. Est-ce que ça va te déranger aussi de parler de ça avec le followers, moi yo, que me pense ça qu'a été dit oui et vous décidez de partager l'histoire. Ah par exemple est-ce que nous connais et les gens par exemple qui ont tel problème, est-ce qu'il y a un pile dans nous qui a confronté même problème non par exemple, mais comment qu'a fait mes conseils que me parle pour nous qu'a résoudre problème ça. Et bon risque de faire un pile monde suivre vous si par exemple ces gens de comportement ça gagne leur pas mon conseil. Bah mon conseil faire un pile monde suivre monde surtout si conseil est bon, OK? Donc on va utiliser toute stratégie ça encore pour augmenter le nombre de followers. Encore une fois dans partie 1 dans vidéo 1 et vidéo ça utiliser toute stratégie ça pour garantir en une semaine ou bien en deux semaines pour exploser le nombre de followers, OK? Donc nous voyons dans notre vidéo par exemple comment on doit utiliser le compte Instagram pour faire l'argent. Donc moi je vous dis à très bientôt dans notre vidéo.